Cela faisait fort longtemps qu'un Premier ministre français n'était pas venu à Washington. Cela faisait 10 ans. It is a great pleasure for me to be back in this magnificent country, which I admire enormously. Pour l'occasion, sous les monumentales colonnes du musée de l'architecture, François Fillon s'est donc exprimé en anglais. Oh, do not rejoice too fast. Ne vous en félicitez pas trop vite. Car bien que mon épouse soit britannique, mon anglais reste encore très français. Je ne vais pas seulement parler anglais pour vous être agréable, mais aussi parce que j'espère que vous serez séduit par mon accent français. Et c'est donc avec un accent très français que, dans la droite ligne de Nicolas Sarkozy, le Premier ministre s'est félicité des bienfaits de l'alliance franco-américaine pour lutter contre, a-t-il dit, les désordres du monde. Il a parlé de l'Iran, il a parlé de l'Afghanistan et puis aussi d'Israël. Des propos évidemment très appréciés par le président de l'Association des Juifs américains de Washington. Je suis très heureux que votre ministre première est avec nous ce soir. It's fantastic. It's a new day pour la France et pour les États-Unis. À Washington, Frédéric Pommier, France Info. Welcome. Thank you. Okay, goodbye.